Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une barre de recherche très efficace qui fonctionne bien sur votre blog et ceci en moins de 4 minutes. Alors, il faut savoir que les barres de recherche, ça peut être très utile dans un certain nombre de thématiques. Alors, quelques exemples comme ça, mais si vous avez un blog sur la cuisine, vous avez sûrement envie que vos lecteurs puissent retrouver d'anciennes recettes. Ou alors, si vous avez un blog, je sais pas moi, sur le sport ou sur la muscu par exemple, et que vous produisez régulièrement des programmes d'entraînement, vous avez peut-être envie aussi que vos lecteurs puissent retrouver le programme d'entraînement spécial biceps ou spécial abdos. Bref, il y a des tas de thématiques dans lesquelles c'est intéressant d'utiliser un outil de recherche sur son blog. Le souci, c'est que si vous utilisez les outils qui sont déjà inclus dans WordPress, c'est pas très efficace. C'est pas très efficace, et si les gens rentrent un mot-clé qui est très spécifique, eh bien, il y a peu de chances que WordPress arrive à retrouver le bon article en question. Tout simplement parce que ça utilise des outils qui sont bien moins puissants que les moteurs de recherche qu'on a l'habitude d'utiliser, comme Google par exemple. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer justement comment remplacer le moteur de recherche de base de WordPress par Google. Et donc on va utiliser la puissance de Google, l'intelligence de Google pour pouvoir donner des résultats qui sont vraiment pertinents aux gens qui font des recherches, et ceci même s'ils ne rentrent pas le mot-clé exact. S'ils rentrent un mot-clé approchant, vous le savez, Google arrive à trouver toujours une réponse. Aujourd'hui, quand vous utilisez Google, même si vous ne mettez pas le mot-clé exact, Google arrive quand même à trouver quelque chose qui se rapproche de ce que vous cherchez. Donc on va voir comment utiliser la puissance de feu de Google dans une barre de recherche installée sur votre blog. Ça prend 4 minutes à faire, c'est gratuit. Je vais tout de suite sur mon écran, je vous montre comment on fait. Donc si c'est intéressant dans votre thématique, à vous de vous y mettre immédiatement. Donc c'est très simple. D'abord, vous allez sur cse.google.com/cse/all. Okay. Ensuite, vous allez tout simplement ajouter un moteur de recherche pour votre site. Donc on va le faire pour ma chaîne de judo jujitsu pour l'exemple. Donc je fais ajouter et je vais taper www.dojoenligne.com. C'est l'adresse de ce site. La langue étant français. Hop. Et je vais cliquer sur créer. Ensuite, je clique sur obtenir le code. Je vais sélectionner ces trois lignes de code. Je fais CTRL-C pour les copier. Je vais maintenant les installer sur mon blog. Je vais donc dans le panneau administrateur de WordPress. Je vais aller dans Apparence Widget. Et je vais aller chercher HTML personnalisé que je vais rajouter dans la colonne. Et ici, je vais venir taper mon code en faisant CTRL-V. Et ici, je vais dire chercher un article sur Dojo en ligne. Deux points. J'enregistre. Et si je vais maintenant sur dojoenligne.com, dans la partie blog, eh bien, on se rend compte que ici, j'ai un outil de recherche qui va chercher spécifiquement les articles dans le blog. Donc si je tape par exemple Uchimata, qui est un mouvement de judo, que je fais chercher, eh bien je vois que Uchimata il apparaît dans cet article là, etc, etc. Et c'est un moyen très simple de trouver toutes les informations que l'on veut sur un blog. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu et que si vous jugez opportun d'avoir une barre de recherche efficace sur votre blog, vous allez enfin l'installer. J'en profite pour vous dire que vous pouvez obtenir une formation sur le trafic d'une heure que j'ai conçue, qui est vraiment complète et qui va vous expliquer pourquoi vous avez sans doute du mal à avoir du trafic aujourd'hui et ce que vous devez faire pour en obtenir. Et vous allez voir qu'on va à contre-courant de beaucoup de choses qu'on entend sur le trafic internet. Elle se trouve juste en dessous, il suffit de cliquer sur le lien pour pouvoir la télécharger gratuitement. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et j'espère vous retrouver très bientôt sur un prochain contenu de Traffic Mania. Ciao, merci.